Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, d'abord, tu étais sur place lors du gala en fin de semaine. On va parler de boxe un peu parce que c'était le gala de Jean Pascal et de Sergueï Kovalev. Oui. Moi, je l'ai vu à la télévision. Parle-moi-en un petit peu, François. Ça a été, somme toute, une belle soirée. Pas de gros noms en sous-carte quand même. Écoute, si tu peux voir sur Twitter, ils ont fait un tweet, Sébastien Diaz et moi. Comme quoi nous pouvions entendre une mouche voler avant le combat de Jean Pascal. C'était tout simplement pitoyable, l'ambiance au Centre Bell, Alexandre. C'était pas des farces, on pouvait entendre une mouche voler. Les combats étaient plates, la foule n'embarquait pas. Non, c'est ça, exact. Jusqu'à temps que Jean Pascal arrive, par exemple, les gens sont rangés derrière lui, puis je peux te dire qu'il y avait du bruit dans le Centre Bell. Il y avait du bruit, peut-être le seul en sous-carte, mais il était très de bonheur. C'était Ulysse Junior, que lui, j'ai l'impression, va être un gros nom pour Interbox dans les années à venir. Mais malheureusement, alors qu'il s'est battu, nous étions encore du côté du Saint-Hubert. OK, juste à c'est côté ça, exactement. Lui, il s'est battu de bonne heure. Ouais. Mais c'est ça. Donc, Jean-Pascal qui arrive sur le ring vers minuit environ contre Sergueï Kovalev. Oui, il y a eu deux rondes peut-être qu'on peut donner à Jean-Pascal. Maximum. Mais le reste, Kovalev, toute une machine de boxe. Écoute, je ne sais pas ce que ça avait l'air à la télévision, Alexandre, mais sur place, là, Kovalev... plus gros, plus grand, plus grande portée, ça paraissait. Jean-Pascal Son jab est extraordinaire. Ouais. Jean l'a pincé une couple de fois, là. Mais à part ça... Non, est-ce qu'il y aura revanche, des choses comme ça? Je pense qu'Adonis va y aller avant. Adonis va y aller. Le problème qu'on a là-dedans, c'est Al Imons, qui est celui qui s'occupe de Stevenson. Lui, c'est un gars de Showtime, alors que Kovalev, c'est HBO, et Dieu sait que ce sont les deux gros compétiteurs. Ouais. En tout cas, c'est pour le WBC. Qui va remporter l'appel d'offres, on ne le sait pas, mais on veut tous voir ce combat-là. Mais les deux vont avoir un combat. Stevenson, c'est le 4 avril. Kovalev devrait se rebattre en mai-juin à peu près. Et peut-être que tard à l'automne, on pourra avoir ce fameux combat. On l'aimerait. On aimerait pas mal ça. Ouais. François, belle émission cette semaine. D'abord, tu reçois Dominique Brasseur. Oui, écoute, pour le 20e anniversaire du complexe Sport Absolu, Alexandre, Dominique va venir nous donner tous les détails. Ça va être vraiment porte ouverte avec deux invités spéciaux. Dominique va en parler dans l'entrevue. Je ne volerai pas le punch, mais deux invités très spéciaux pour les enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. Vous allez avoir pas mal de plaisir. Ça va être un rendez-vous, oui. Et malheureusement, il y a encore eu des gestes disgracieux dans une ligue senior à quelque part au Québec, mais pour ne pas la nommer, c'est la ligue senior de la Mauricie. Oui. À chaque fois qu'il y a des gestes disgracieux, c'est tout le temps dans les grands médias nationaux. Hein? Exact. Et là, TVA en parle abondamment. Écoute, une opération de 6 heures. On va en parler tantôt avec Robert Legault. Oui. En deuxième partie d'entrevue, parce que d'abord, ce sont les séries éliminatoires dans les deux ligues qui nous concernent le plus, la Ligue nord-américaine de hockey, mais également la Ligue senior des cantons de l'Est avec le Plaza de Marieville. On va avoir un sixième match, François. Oui. Mais bon, on va parler de ce triste événement aussi, parce que ça retient, comme tu l'as dit, l'actualité. Mais pour tout de suite, on s'arrête 5 secondes et au retour, on va écouter l'entrevue que tu as réalisée avec Dominique Brasseur. Vous devez mettre le 29 mars prochain à votre agenda, car c'est la journée porte ouverte au complexe Sport Absolu pour souligner le 20e anniversaire déjà. Avec nous, on a le président du groupe Domiza qui gère le complexe Sport Absolu. Dominique Brasseur est avec nous. Salut Dominique. Bonjour. Dominique, parle-nous un petit peu du groupe Domiza. Écoute, on en entend parler depuis maintenant 20 ans. Tu es avec ta sœur Isabelle Brasseur, qu'on connaît bien, et également Frédéric Lanoux qui est dans le groupe. Parle-nous un petit peu du mandat que vous avez, le groupe Domiza. Le groupe Domiza est une entreprise qui fait principalement la gestion d'installations sportives depuis 20 ans, comme tu le mentionnais. Et le berceau du groupe Domiza, c'est justement les installations sportives du Collège militaire. Ouais. Depuis, l'entreprise a obtenu différents mandats, je dirais, à travers la province, soit en gestion de camps de jour ou en gestion d'installations aquatiques. Mais notre principale activité se passe encore au complexe Sport Absolu depuis plusieurs années. Comment vous êtes venu l'idée, toi et ta sœur, de partir un groupe comme ça là, qui pourrait gérer des installations sportives? On sait qu'Isabelle était bien impliquée dans le sport. Qu'est-ce qui a fait là, que vous avez décidé de vous associer? En fait, moi, je suis ingénieur de formation. Okay. Donc, je travaillais à l'époque, au début des années 90, dans un domaine tout autre. Ouais. Et par contre, j'avais l'idée de me lancer en affaires. Évidemment, il y avait un peu naturel de regarder du côté des patinoires. Donc, nous avions soumis un projet à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la construction et la gestion d'une patinoire. Okay. Et à peu près en même temps, on se rappelle que le gouvernement fédéral a décidé de fermer le Collège militaire en 1995. Donc, la municipalité, les gens du conseil économique à l'époque, M. Gérald Brassard M. Brassard qui nous a fait confiance, a dit, bien, au lieu de construire, on va donc gérer l'aréna au complexe Sport Absolu. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Au début, on faisait que la gestion de l'aréna seulement. Ouais. Et au cours des années, nous sommes devenus gestionnaires de l'ensemble
l'ensemble des plateaux sportifs également. Là-bas. Mais c'est pas juste des plateaux sportifs, là. Il y a également le volet camp de vacances, si on peut appeler, camp pour les jeunes, qui est très important chez vous. En fait, depuis longtemps, et je suis très fier de ça, on parle de saines habitudes de vie dans notre entreprise. Donc, le fait de faire bouger les jeunes de 6 à 12 ans, ça existe depuis plus de 15 ans maintenant, à travers le camp de jour en période estivale, mais aussi nous accueillons environ 150 écoles en cours d'année scolaire lors des journées pédagogiques. Nous visitons maintenant environ aussi un autre 150 écoles directement sur place pour aller faire du sport bouger, enseigner comment s'alimenter, comment lire une étiquette sur un produit et comment avoir une bonne posture, etc. Parlons un petit peu pour les gens. Il y en a beaucoup aussi de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ne connaissent pas peut-être les installations sportives au Collège militaire. L'émission est diffusée à TVRS sur la Rive-Sud de Montréal. Parlons un petit peu de l'offre. Qu'est-ce qu'on retrouve sur place au Collège militaire de Saint-Jean? En fait, c'est ce qui fait notre renommée, la diversité des installations. Au complexe Sport Absolu, on retrouve évidemment une salle d'entraînement avec des appareils musculaires et cardio-respiratoires. Nous avons un immense gymnase pour la pratique du badminton, volleyball, etc. Une patinoire, donc, pour tout ce qui a rapport au ligue d'hockey, patinage et patinage libre. Une piscine également, un immense terrain extérieur avec 6 terrains de football ou de soccer, qui nous permet d'ailleurs de tenir des activités d'envergure comme la Coupe Celtique à chaque année. Là. Ouais. Là, c'est le 20e anniversaire, le 29 mars prochain, journée porte ouverte. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas l'endroit, vont avoir accès aux installations tout à fait gratuitement. Dominique, parle-nous un petit peu de ce que les gens vont avoir à se mettre sous la dent le 29 mars prochain. Donc, effectivement, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les installations. Dès midi, les gens sont invités. C'est totalement gratuit. Donc, on l'appelle la journée absolue qui permettra aux gens de circuler à travers le complexe sportif. Il y a une dizaine d'ateliers ou de stations qui seront prévues. Donc, les gens pourront participer à essayer de faire un tir de 3 points au basketball, par exemple, des tirs de précision au badminton. Nous aurons une immense structure gonflable à la piscine. Les gens pourront se baigner. Okay. La patinoire sera également disponible de midi à 16 heures. Il va y avoir une invitée spéciale aussi. Exactement. Les gens pourront patiner avec une des actionnaires, Isabelle Brasseur, sur la patinoire. Isabelle sera là. C'est pas tous les jours qu'on peut patiner avec une championne olympique. Hein? Effectivement. Donc, les gens sont bienvenus. Évidemment, nous avons notre invité spécial dans la présence de Youpi, la mascotte des Canadiens. Tu es en train de me dire, Dominique, que Youpi passe avant Isabelle quand tu parles d'invité spécial. Je ne suis pas sûr qu'elle va être heureuse d'entendre ça. On lui a demandé de faire la mascotte, t'as pas oublié. Mais bref, les gens pourront avoir une photo avec Youpi. Et plus que les gens participent, plus qu'ils accumulent des coupons qui permettront de participer au grand tirage qui est 4 billets pour un match des Canadiens de Montréal lors de la prochaine saison. OK. Donc ça se passe le 29 mars prochain. Donc on invite les gens à mettre ça à leur agenda. Dominique, parle-nous un petit peu, tu sais, lorsqu'on parle au hockey, lorsque les gens jouent au hockey plus jeunes, décident de rejouer les fameuses ligues de garage, ça se passe chez vous, ça, dans le coin? Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs ligues. On ne peut pas dire que c'est un marché en pleine évolution. Mais il y a des gens qui ont 50, 55 ans qui jouent toujours au hockey. C'est sûr que c'est un marché qui est très important pour nous, là, avec évidemment une petite bière après, on ne s'en cachera pas. Il faut ça, hein? Parlons un petit peu de la réalité de nos jours. Tu parlais tantôt avec les camps de vacances, les enfants, les jeunes, c'est important de les garder en forme. Souvent, on reproche les jeux vidéo, les ordinateurs, les iPads. Tout le monde est devant ça. Toi, c'est un exemple à suivre, hein? Ta fille Justine qui est venue ici à l'émission. Toute une patineuse artistique va sûrement suivre les traces d'Isabelle. En tout cas, on lui souhaite. Parlons un petit peu de la réalité de nos jours. Est-ce que les jeunes sont de plus en plus présents sur les plateaux sportifs ou il faut vraiment aller à la maison puis les tirer? J'ai confiance que nous sommes à une époque où il y a justement un changement, un virement de situation. Il y a 5, 6, 7 ans, j'aurais dit que les jeunes sont très, très sédentaires. Ouais. Mais on voit que tout ce qui est camp spécialisé l'été, c'est très, très populaire. Les jeunes ont tendance, je pense, à bouger plus parce que les parents de ces jeunes-là ont 30, 35 ans qui, eux aussi, ont compris la valeur de saines habitudes de vie. J'ai tendance à être positif dans ce domaine-là. C'est encourageant. Oui, je pense que oui. Quelles sont les activités les plus populaires là, qu'on retrouve au Collège militaire que les gens, tu sais, tu as besoin de t'inscrire pour y aller? Est-ce que c'est la piscine, la patinoire, les cours de yoga? Vous avez tout, hein? Vous? Nous offrons une grande diversité de cours, là, une soixantaine d'heures par semaine en cours. Et nous remarquons depuis quelques années que le spinning, donc le vélo stationnaire, a pris quand même beaucoup d'engouement là-dessus. Tout ce qui est cours de groupe, donc cours à station, un peu genre CrossFit, là. Ouais. On appelle ça les cours d'endurance. Les gens veulent un peu souffrir, obtenir des résultats. Très, très populaire également. Quand vous avez commencé le groupe de Misa il y a 20 ans, est-ce que tu croyais qu'aujourd'hui, en 2015, vous étiez pour être plus d'une cinquantaine d'employés à temps plein, 200 employés là, lorsque c'est la grosse saison? Est-ce que tu pensais vraiment que les objectifs étaient là?
pas du tout. Avec mes trois opérateurs de Zamboni à l'époque, je n'avais pas pu visionner ça. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons eu quand même beaucoup de support là-dedans. Là, depuis, en fait, la région va fêter les 350e de la présence militaire. Ouais. Notre entreprise est un exemple de cohabitation. Donc, les gens de la Corporation Fort Saint-Jean nous ont permis justement de développer. Et il y a encore une très belle cohabitation. Parce que vous, est-ce que les militaires s'entraînent là également? Tout à fait. C'est leur complexe sportif. Okay. Donc, ils doivent. C'est une facette importante du développement militaire, priorité. Et nous, notre rôle, justement, c'est d'essayer de trouver les compléments au niveau de la commercialisation. Et on cohabite très, très bien depuis plusieurs années. D'ailleurs, pour souligner cette cohabitation-là, le 29 mars, les élèves officiers seront présents. OK. Donc, les participants qui ont un peu de difficulté à accomplir l'activité ouais. afin d'obtenir le coupon, l'élève officier pourra les aider. Donc, il y aura une espèce de partenariat. Et si l'élève officier réussit à ce moment-là, le participant pourra participer au tirage. Bien, ça, je pense que c'est un bel exemple de cohabitation, de voir que les élèves officiers vont être là également. Donc, Dominique, on invite les gens, c'est le 29 mars prochain. Est-ce qu'il y a un site web, une page Facebook, si les gens veulent avoir plus de détails là, sur la programmation? Dès midi jusqu'à 16 heures, les gens sont invités. Oui. Donc, sur sport-absolu.com, les détails seront affichés très bientôt. Si les gens ne peuvent pas se présenter à la journée porte ouverte, on les invite quand même. Hein? Les gens n'ont pas besoin d'être membres chez vous. Les gens peuvent payer de la foi pour aller nager, pour aller patiner. Il y a des accès journaliers pour tous les types d'activités, effectivement. Bon, on invite les gens à aller visiter le site et surtout à aller vous visiter le 29 mars prochain au complexe Sport Absolu pour la journée porte ouverte. Dominique Brasseur, merci beaucoup. Toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci à vous. Merci. Dimanche, 9h30, Télé-Bingo. On vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé-Bingo, TVHR. Tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Bonjour, ici Philippe Laprise. Vous avez la santé de votre communauté à cœur? Eh bien, je vous invite à aller acheter un billet pour la Loto Santé sur fondationsanté.com. Vous n'avez même pas besoin de sortir de chez vous pour gagner. Les billets sont seulement 10 $ et tous les profits iront donner de la vie à l'unité des nouveaux-nés de l'hôpital du Haut-Richelieu. Puis on a plein de beaux prix à faire tirer. Le tirage, présenté par Desjardins Banque Nationale, aura lieu le 25 mai à 14h. Ah! Vous aussi nous suivre sur Facebook, hein? Notre page Facebook est écœurante, puis on fait des tirages exclusifs. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et nous sommes en pleine série éliminatoire, que ce soit dans la Ligue senior des Cantons de l'Est, dans la Ligue nord-américaine également. On y arrive, donc qui de mieux pour parler de ces deux ligues, également de d'autres choses, que notre collaborateur habituel, Robert Legault. Salut Robert! Salut les gars, ça va bien? Ça va très très bien, merci. Bob, je veux qu'on parle de la Ligue senior des Cantons de l'Est, parce que c'est la ligue qui nous intéresse, avec le Plaza de Maryville, qui est en série présentement contre Lac-Mégantic. Mais nous, faut le dire, on rappelle aux gens qu'on enregistre le lundi, donc écoute, les nouvelles sont fraîches là sur... ce qui s'est passé en fin de semaine dans la Ligue senior de la Mauricie. Écoute, ça fait la une partout, même le site Internet de TVA Nouvelles, qui c'est la première nouvelle en ce moment. Le hockey senior qui reçoit encore une fois un œil au beurre noir. Si tu nous expliquais encore une fois qu'est-ce qui s'est passé, Robert, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'on te parle, ce qui est deux ou trois fois par année, il arrive toujours quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Bien, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est qu'en dans la période de réchauffement de la rencontre entre le Bigfoot de Saint-Léonard d'Aston et le Blizzard de Saint-Gabriel de Brandon, il y a eu mêlée générale et on peut voir même, je regardais tantôt un reportage présenté sur les ondes de TVA où on a réussi à avoir des images de cette poire générale. On voit Louis-Étienne Leblanc qui se faisait courir après par plusieurs joueurs du Blizzard. Il s'est même emparé d'un bâton de gardien de but pour se défendre au cas où que bon, il y aurait eu quelques joueurs qui auraient voulu y faire un mauvais parti. Et c'est lorsque le tout s'est déplacé vers le banc d'une des équipes que là, il aurait été attaqué par un joueur du Blizzard de Saint-Gabriel. Et suite à ça, bon, on parle d'une fracture, double fracture à la mâchoire. Il y a eu une intervention chirurgicale majeure dimanche soir. À un certain moment donné, même, on craignait peut-être pour sa vie ou peut-être pour sa condition future.
à Louis-Étienne Leblanc. Alors, les joueurs du Bigfoot de Saint-Léonard-d'Aston qui ont carrément quitté la patinoire, refusant de jouer le match, ont rembarqué dans leur autobus pendant qu'ils se faisaient du sang de cochon en bon québécois pour leur coéquipier qui a été transporté au centre hospitalier régional de Trois-Rivières, là où on a pratiqué l'opération dimanche soir. Écoute, c'est une opération de près de 6 heures, Bob. Ce n'est pas une opération de routine qui s'est déroulée dimanche. Parle-moi un peu du joueur qui a été attaqué. Est-ce qu'on s'en était pris vraiment à un pilier de l'organisation? Bien, c'est un joueur qui est un peu marqué, Louis-Étienne Leblanc, dans le circuit senior A de la Mauricie. Dans quelque part, peut-on régler ça simplement dans une bagarre plutôt que d'essayer de s'en prendre de la façon dont on s'en est pris dans la période de réchauffement? Et ça, c'est un des nombreux événements qui ont impliqué le Blizzard de Saint-Gabriel au fil des ans. L'an dernier, rappelons-nous, il s'en était pris à Marc-Antoine Boucher, le fils de Gaétan Boucher, le patineur de vitesse. Il y a quelques années aussi, on s'en est pris à Jonathan Côté, qui jouait pour Saint-Marc-des-Carrières. Ça, c'est le fils, entre autres, de l'accordéoniste Denis Côté, qu'on connaît bien sur la scène traditionnelle. Autant Boucher que Côté n'ont jamais chaussé les patins par la suite, du moins dans le hockey organisé. Et combien d'autres événements comme ça ont impliqué le Blizzard de Saint-Gabriel dans la Ligue seniora de la Mauricie? À toutes les fois qu'on parle d'une tache noire sur ce circuit-là, plus souvent qu'autrement, cette équipe-là est impliquée. Et c'est là que les dirigeants de la Ligue ont eu une décision à prendre. Ils l'ont pris hier soir et exit le Blizzard. C'est ce que j'étais pour dire. C'est pas encore sorti, mais nous, l'émission est le mercredi, alors tu peux le dire, là. Alors, c'est terminé pour cette organisation-là. Exactement. De toute façon, Steve Turcotte, sur le site Internet du quotidien Le Nouvelliste et dans la version papier, évidemment, parlait déjà de l'expulsion du Blizzard comme étant faite. Et je peux même vous dire que le journaliste Turcotte a même indiqué sur sa page Facebook comme quoi que les dirigeants de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie ont reçu des menaces du Blizzard de Saint-Gabriel avant le match de samedi soir. Okay. Il faut dire. Ouais, fait que ça va pas très bien. Saint-Léonard d'Aston menait cette série 3 victoires contre aucune défaite. Alors, voilà, le reste n'est que de l'histoire, malheureusement. Écoute, une opération de 6 heures. Première nouvelle présentement sur TVA Nouvelle. C'est pas très, très joli. Au moins, bon, si l'équipe peut être suspendue, c'est une chose. Mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose parce que, écoute, on le voit présentement entre Lac-Mégantic et le Plaza de Marieville dans la Ligue senior des Cantons de l'Est. Il y a du bon hockey dans le seniorat. Robert, parle-nous un peu de cette série-là. Exactement, oui. C'est une très, très belle série qu'on a présentement entre le Plaza de Marieville et le Turmel Desjardins de Lac-Mégantic. Le Turmel qui avait pris une avance de 3-1 dans la série avec une victoire de 6-3 vendredi soir à Lac-Mégantic, ben le Plaza n'a pas levé le drapeau blanc. Au contraire, retour avec une victoire de 5-2 samedi soir à Marieville. Alors, il y aura un sixième match qui sera présenté vendredi soir au Centre sportif Mégantic, alors que le match décisif, si nécessaire, aura lieu samedi soir à 19h30 au Centre sportif Rouville à l'Aréna Julien Beauregard. Et l'équipe gagnante de cette série va affronter les Maroons de Waterloo, qui ont en quelque sorte surpris, ils ont surpris le progrès dynamique de Quaticook, mais c'est surtout la façon dont ça s'est joué cette série-là. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4 matchs. Bye-bye Quaticook. Je ne m'attendais pas à ça du tout, du tout, du tout. Non, plusieurs observateurs voyaient une série beaucoup plus longue, en effet, Robert. Et parle-nous un peu de la Ligue nord-américaine de hockey, une ligue que tu connais bien également. C'est sur le point de se terminer, là. Exactement, oui. La première ronde des séries, ça va drôlement bien pour 4 des 8 équipes qui sont impliquées parce que ces équipes-là mènent 2-0 leurs séries respectives. C'est le cas du Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce face au Blizzard Cloutier Nord-Sud de Trois-Rivières, de l'Isothermique de Thetford Mines contre les 3L de Rivière-du-Loup, des Marquis de Jonquière contre les Prédateurs de Laval et
des champions de la saison régulière, les Éperviers de Sorel-Tracy face aux River Kings de Cornwall. En parlant de gestes un peu qui se sont produits dans d'autres séries, mentionnons que Steve Bossé n'a joué que 8 secondes dans la première rencontre de la série contre Jonquière. Bossé, lors d'une mêlée devant le banc des Marquis de Jonquière, a asséné un coup de poing à Olivier Croteau, qui n'est pourtant pas un dur à cuire. Croteau carrément knock-out. Bossé qui a été expulsé pour agresseur, il a écopé de 2 matchs de suspension. Alors, s'il revient au jeu, ça pourrait être lors du match numéro 4 de la série, dimanche à Laval. Robert, en terminant, ça sent le printemps. Bon, il y a encore un peu de neige, c'est sûr, mais les gymnases dans différentes villes ont commencé à accueillir les joueurs de la Ligue majeure du Québec. Ça commence à sentir le baseball, les joueurs qui se mettent en forme, là. Exactement. Et l'horaire complet de la Ligue sera dévoilé cette semaine. C'est qu'on a 2 problématiques cette saison avec les formations d'Actonville et Victoriaville qui n'auront pas accès à leur terrain du tout au mois de mai. Faut dire que dans les 2 cas, il y a des rénovations qui sont apportées ou des améliorations apportées à leur stade. À Actonville, carrément, on leur fait le stade Léo Asselin. C'était pas un luxe. Et à Victoriaville, il y aura des ajouts d'estrade. Une belle victoire pour l'organisation, notamment du Cactus de Victoriaville, qui se plaignait du manque de place. Et on l'a bien vu en séries éliminatoires avec des estrades ultra bondées contre les Blue Sox de Thetford Mines. Et on sait que le Cactus et le baseball mineur là-bas à Victoriaville visent très haut l'obtention. On a obtenu entre autres des championnats canadiens au niveau de ce qu'on appelle la structure de Little League Baseball à Victoriaville, puisqu'ils ne sont pas avec Baseball Québec, mais bien avec Little League Baseball là-bas. On vise haut, on veut organiser des événements d'envergure à Victoriaville. Et pour ça, ben des estrades additionnelles, ce ne sera pas un luxe. Merci Robert, on va avoir l'occasion de s'en parler de baseball là, au cours des prochains mois, puis on va te réinviter bien sûr parce que ça va être le fun. On a une belle équipe dans la région de Saint-Jean également, alors on va suivre ça. Puis j'ai comme l'impression que pour une nouvelle équipe, on aura droit à de l'excellent baseball, puis on ne sera pas en fond de classement également, donc ça risque d'être fort intéressant. Merci Robert. Ça fait plaisir, oui, puis j'espère que les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, de votre région, seront nombreux à aller encourager les Pirates qui en seront à leur première saison. Vous allez voir que le calibre de jeu de la Ligue de baseball majeure du Québec, c'est assez solide, merci. Ouais, ça c'est un fait. Merci Robert, à une prochaine, bye bye. À bientôt. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, il reste du temps. C'est rare, en conclusion d'habitude, on court tout le temps. C'est très rare. Et là, je vais être honnête avec toi, j'ai pas envie de parler pendant 5 minutes de NASCAR. Et comme c'est le temps des sucres, et oui, déjà rendu, et que tu es le directeur des communications de Office Tourisme Montérégie, oui, qui englobe notre belle et grande région, et Dieu sait qu'il y a énormément de cabanes à sucre, parle-nous-en, parce que c'est une des activités familiales les plus populaires au Québec. Moi, j'ai 2 filles. On est rendu là. Es-tu allé, Alex? Non, pas encore. Alors, c'est pour ça, vas-y, je te lâche lousse. Bien, écoute, c'est sûr, justement, je suis allé tourner avec nos amis de TVRS la semaine passée du côté des Rabillères-Charbonneau à Mont-Saint-Grégoire, qui est vraiment un endroit magnifique. Mm-hmm. Tu es déjà allé à Rabillères-Charbonneau. Oh, oui. Les gens, ils vont souvent pour les pommes à l'automne. Mais je vous dirais que c'est aussi, aussi bien, si c'est pas mieux, au niveau des cabanes à sucre. Tourisme Montérégie, on a vraiment créé un site thématique. On peut voir sur ta tasse que je t'ai apporté. C'est marqué ma cabane. Non, c'est macabaneasucre.com. Macabaneasucre.com, qui est vraiment la référence si vous cherchez une érablière, mais également un restaurant. Nous, on a une dizaine de restaurants, Alexandre, qui vont adapter leur menu aux saveurs de l'érable durant le temps des sucres. Donc, sur le site macabaneasucre.com, vous avez tous les détails. Qu'on parle d'un filet de porc à l'érable avec une entrée de saumon fumé laqué au sirop d'érable. Et peut-être une tarte au sucre pour dessert. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tu m'écœures, parce que nous, surtout quand on tourne, hein? Ouais, c'est ça exactement. C'est l'heure du souper. Oui, puis écoute, deuxième activité la plus populaire à Montérégie au niveau de l'agrotourisme, c'est 600 000 personnes qui vont dans les cabanes à sucre durant cette... On vient de partout, là, la grande région de Montréal, les gens de Laval qui vont venir aussi. Mais écoute, c'est vraiment, c'est intra-Montérégie beaucoup de gens à Montérégie, mais c'est vraiment le marché de Montréal. Hein. Tu traverses le pont, tu as les érablières tout de suite à proximité. Pour te donner une idée, 600 000 personnes pour le temps des sucres. Tu en as 700 000 qui viennent aux pommes, qui est le numéro 1. Ouais. Donc, vraiment une activité incontournable pour toute la famille. Plusieurs érablières, que ce soit traditionnelle, que ce soit plus moderne. Activité pour la famille avec tes filles. Tu vas voir, il y a des cabanes à sucre, jeux gonflables, des fermes, des balades en tracteur. Et sans oublier la tire sur la neige. Qui est tellement bon. Mais tantôt, là, c'est pas légal. Tu as amené à Claude et moi des espèces de bonbons. Des petits bonbons, l'érable. Je savais que tu en parlerais à l'écran, Alexandre, c'est pour ça que j'en ai apporté. Écoute, c'est tellement bon. Alors, je redonne l'adresse, c'est macabaneasucre.com. Oui. Allez voir ça, puis François y participe en plus. Ben je oui. Je trouve ça bien. Oui.
François, on va se parler, on se doit de parler absolument de NASCAR. Ouais. Tu le sais, comme à chaque fin d'émission. Alors, dimanche dernier, était présenté le campingworld.com. Moi, j'adore ce nom-là. Quatrième épreuve de la série Sprint de NASCAR sur l'ovale de Phoenix International Raceway en Arizona. Et c'est champion en titre et détenteur de la pole, Kevin Harvick, qui a remporté une deuxième course d'affilée. Et Claude l'a dit tantôt, c'est encore lui qui a gagné. Ben oui. Toujours dominant, il a amené pas moins de 224 des 312 tours. Et ça, sérieusement, c'est excellent en NASCAR. Il gagne ainsi sa quatrième course de suite sur ce circuit. Jamie McMurray, qui est bien connu dans sa famille, François, et Ryan Newman ont terminé respectivement deuxième et troisième. Casey Kane et Kurt Busch, revenus de sa suspension pour violence conjugale. C'est vrai. Écoute, il n'y aura pas de... Moi, je peux ouvrir une parenthèse là-dessus. Il n'y aura pas de plaintes qui vont être portées contre lui, mais quand même, au départ, il voulait investiguer, mais oui, il y a eu des soupçons de violence conjugale pour Kurt Busch. Belle famille, quand même. Oui. Donc, lui, il complète le top 5 et le classement des pilotes après quatre courses, François. Le dernier, là. Oui, Kevin Harvick est premier, Joey Logano est deuxième, Martin Truex Jr. est troisième, Casey Kane est quatrième et A.J. Allmendinger, lui également très, très bien connu dans sa famille, là, sa tante Ginette l'adore. Il est cinquième et la prochaine course, François, si jamais ça t'intéresse, c'est dimanche le 22 mars à 15h30. C'est le Autoclub 400, l'Autoclub Speedway. Ça, c'est à Fontana, en Californie. Et c'est une piste assez populaire, on va l'avouer. En IndyCar, on a roulé. Belle température aussi en Californie, ces temps-ci, ça va être le fun à regarder. Le tennis qui est là également, c'est Indian Wells. Premier tournoi de ATP Série 1000. Même chose qu'à Montréal et Toronto, mais les autres, c'est sur deux semaines. Ils ont les hommes et les femmes. Voilà. Rappelle-nous le site Internet rapidement, François. www.tvhr9.com, www.tvrs.ca. Je pense qu'il reste plus de temps. Non, il reste 5 secondes. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye. Télévision du Haut-Richelieu. La lumière sur votre région.